Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler donc, pour ce nouvel épisode d'un film d'animation absolument oufissime que j'ai vu, alors pour la petite histoire, que j'ai vu en Chine en 2019, durant l'été 2019. C'est le film Nedja, donc qui raconte l'histoire. Donc c'est Nedja, c'est un personnage de la mythologie chinoise, l'un des plus connus, avec le roi singe. Il y a eu beaucoup beaucoup d'adaptations du roi singe, beaucoup moins de Nedja. Je crois qu'il y a eu une adaptation dans le cinéma de Hong Kong avec Alexander Fusheng dans les années 70, réalisée par Chang Che. Mais là c'est vraiment la version donc animée, et c'est un film absolument incroyable. C'est un film d'animation. Moi, j'avoue que j'ai rarement vu de, j'ai pas beaucoup vu de films d'animation chinois dans ma vie. Je crois que c'est même mon premier vrai film d'animation chinois. Et je suis allé le voir, pour vous dire, 5 fois au cinéma d'affilée, en IMAX, en 3D. Le film n'était pas sous-titré en anglais, ni rien, donc je l'ai vu que en VO. Mais bon, c'est une histoire assez simple, hein. C'est l'histoire de Nedja, l'enfant démon qui progressivement donc retrouve son humanité. Voilà, il est moitié humain, moitié démon. Mais c'est vraiment plus pour le, c'est pas tellement pour l'histoire qui m'intéressait, c'était vraiment pour le cinéma, pour le grand spectacle. Pour la petite histoire, donc le film a été écrit par un jeune gars, un jeune scénariste qui s'appelle Yu Yang, qui a écrit le scénario apparemment dans sa chambre pendant 2 ans. Il a gribouillé ce scénar et il a voulu faire son film. Et je crois que le film est resté longtemps dans les tiroirs et tout, et ils l'ont enfin produit. C'est vraiment une petite histoire assez cool. Donc voilà, d'un jeune créateur qui a réussi à faire son film après des années qu'il a écrit dans sa chambre et tout. Donc c'est une belle histoire. Voilà, donc j'ai vu cette claque. Ça a été le plus gros succès de l'année 2019 en Chine, avec Wandering Earth, il me semble, dont je vais parler au cours d'une prochaine vidéo. Parce que c'est aussi un film que j'aime beaucoup, Wandering Earth. Mais voilà, alors, en tout cas, Nedja, voilà, c'est le premier film apparemment d'une, on va dire, d'une, un peu comme dans Marvel, comment dire, d'un univers, voilà, basé sur l'investiture des dieux, où il y a déjà un autre film qui est sorti qui s'appelle Zhang Jia, qui est la suite, voilà, qui est situé dans le même univers que Nedja. Et qui est aussi super cool. Peut-être que j'en parlerai plus tard, effectivement, de celui-là. Mais en tout cas, voilà, Nedja, quand j'ai vu ce film, j'ai pris une claque. C'est une claque visuelle absolument hallucinante. J'avais l'impression de voir vraiment une estampe chinoise animée. C'était d'une beauté incroyable. Tout ce dont on rêvait de voir quand on regardait, quand on était gamin, et qu'on regardait Dragon Ball, et les paysages chinois, et la calligraphie, hein. Il y a vraiment l'animation, la mise en scène est vraiment incroyable. On est vraiment transporté dans un monde mythologique absolument fou. Il y a des batailles, comme on a pu le voir dans les films dont j'ai parlé avant, dans Journey to the West, des batailles entre dieux, entre démons, entre dragons, géants, ça se passe dans le ciel, ça se passe. Enfin, c'est tout bonnement hallucinant. C'est d'une beauté incroyable. Il y a certes, à des moments, certains défauts dans l'animation, dans certains plans d'animation, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est typique du cinéma chinois aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est encore un petit peu imparfait. C'est pas parfait à tous les niveaux, il y a encore un petit peu des défauts, mais dans l'ensemble, moi, honnêtement, je me suis pris une claque incroyable. C'est un film que je suis allé voir quand j'étais à Chengdu avec mon ex-copine. On est allé le voir plusieurs fois ensemble. D'ailleurs, c'est un peu, voilà, ça fait un petit pincement au cœur quand j'y repense. C'est un film qu'on allait voir souvent, souvent ensemble, et qu'on a absolument adoré. Et du coup, voilà, bah, je voulais partager ce film, ça avec vous. Il y a un Nedja qui est sorti sur Netflix, mais qui n'est pas du tout le même. C'est une autre licence, enfin, c'est une autre adaptation de Nedja qui a été modernisée. C'est pas du tout celui-là. Celui-là, je crois qu'il n'est pas sorti chez nous. Je vais essayer de mettre le lien. Je vais essayer de mettre le lien d'un fan sub, peut-être Passion SB qui l'a traduit, je sais pas encore, mais en tout cas, il faut vraiment vraiment le voir. Si possible, bon, si vous pouvez vous procurer des copies, le Blu-ray 3D, etc., faites-le, parce que c'est vraiment, en plus, un film que vous pouvez montrer à vos gamins. C'est un bon film, si vous avez des enfants, voilà, c'est un très bon film d'animation.
Vraiment, moi, pour moi, ça a été, je vous dis, la plus grosse claque, une des plus grosses claques du cinéma chinois que j'ai prise. Et j'ai eu la chance de voir donc ce film 5 fois. Je suis allé le voir 5 fois en Chine tellement j'ai adoré. Et encore une fois, sans sous-titres, sans rien. Voilà, visuellement, moi, c'était vraiment la claque de 2019 avec Mon Dying Earth. C'était voilà, des deux plus grosses claques que j'ai prises au niveau cinéma chinois, au niveau même de ma vie de cinéphile. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, enfin, voilà, en gros, tout ce dont j'ai rêvé de voir, quand je regardais des films hongkongais, quand cette manière de, voilà, comme je l'ai expliqué un peu dans la vidéo d'avant, là je répète un peu, mais c'était le fantasme de voir. Enfin, sur grand écran et dans une beauté visuelle, les mythes chinois, la mythologie chinoise, voilà, portée à l'écran d'une manière aussi belle, aussi noble, aussi bien foutue. Avec vraiment, en plus, voilà, maintenant, tout ce savoir-faire, cette touche vraiment chinoise, tout ce savoir-faire chinois vraiment qui est intégré à l'intérieur. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le film, c'est un petit peu court, mais en tout cas, vraiment, voilà, film qui me tient particulièrement à cœur, à voir vraiment urgemment si vous l'avez pas vu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de fans du cinéma que je connais qui l'ont pas encore vu. Voilà, il faut vraiment vraiment le voir. Alors peut-être que vous allez être déçus. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu. Alors après, moi c'est différent. Voilà, je l'ai vu sur grand écran à l'époque en Chine, etc. Donc c'est peut-être un contexte particulier, etc. En tout cas, voilà, le film a rapporté un succès immense. Ça a été le plus gros succès en Chine en 2019, bien mérité selon moi. Et vraiment, j'attends avec impatience d'autres films d'animation. Je pense que la Chine doit continuer à produire des grands films d'animation comme ça, qui nous parlent de la mythologie chinoise. En plus, on en apprend beaucoup sur la mythologie. Je crois qu'il prépare un film donc de ce même studio sur le roi singe. Je crois ils vont faire des crossovers entre Neja, Jiang Jia, le roi singe, etc. Ça va être une investiture des dieux universe, voilà, cinématographique universe qui va être assez cool à regarder. Donc voilà, en tout cas, je vous conseille Neja. Moi, pour moi, c'est la plus grosse claque. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette émission. C'est vraiment ce film-là. Visuellement, c'est absolument à tomber par terre et ça va vous apprendre un petit peu plus. Si vous êtes curieux de savoir, de voir à quoi ressemble la mythologie chinoise portée sur un grand écran, ben voilà, je vous conseille si vous êtes intéressé par ça. Et en plus, vous pourrez amener vos gosses si vous avez des enfants. Donc c'est assez cool à ce niveau-là aussi. Et en plus de ça, j'ai pu visiter. Donc à l'époque, le film a été tourné, donc a été programmé et conçu à Chengdu, où je me trouvais à l'époque, donc en 2019. Et donc j'ai eu la chance de. Mon ex-copine faisait ses études là-bas, elle n'a pas participé au film, mais elle faisait ses études dans les locaux là-bas, il y a des pôles de formation. Et en fait, j'ai eu la chance de visiter les locaux où ils ont créé le film. Voilà, c'était le petit truc en plus. En plus de l'avoir vu à Chengdu avec mon ex qui bossait là-bas, j'ai aussi pu visiter le lieu et tout. Donc c'était assez cool, assez beau souvenir. Voilà, en tout cas, j'espère que vous apprécierez ce film. Vive le cinéma chinois et vive la France. Bye.